Mariol. Compagnie des copains. Allons faire du poisson. Et il va, ça va taper. Lulu et Fred sont partis. Ils partiront sur la droite. Et moi en compagnie du magnifique Vince sur la gauche. On va essayer de faire du poisson. Et après on se mangera une bonne part de pizza au bord de l'eau avec un ciel sans aucun nuage et un spot magnifique comme d'habitude. T'as fait quelque chose? Moi j'ai fait une sèche, pas toi. Ah, t'as fait une sèche? C'est une sèche, ma poule. Hein? C'est une sèche, ma poule que t'as fait. Ouais, sèche. Elle est belle? Elle est petite. Elle est petite? Alors, ça va. Moyenne, ça. Dans le sable. Je suis descendu, ouais, je me suis dit ça va, elle est bien, je pense. Ça se mange. Ah, bah t'inquiète, ça se mange. Moi je les prends sans problème. C'est-à-dire que tu as vu, c'est ça, quand t'as sorti un ou deux gros kraken. Ouais. On va essayer, il y a les sèches au moins. Je sais pas ce que tu vois, mais je vois pas grand chose. Ah, il y a quelques sars quand même. Hein. S'il y a des sèches, déjà c'est pas mal. Hein. Thank you.
vois, 5 ans pour la caméra. Je vois si c'est. Je vois si c'est ce qu'il y a. J'ai raté un beau Sahara à trous là. Ça va faire des belles sillages. J'ai jamais entendu des choses intéressantes. Mais par contre, je trouve qu'elle est vraiment belle. Hein. Hein? Je fais un clic là et on rentre.
Votre oiseau où j'ai magnifique là. Gros steak ça. Ah, ça fait du steak. Ça rase. Ah, en plus je suis dégoûté parce que je l'ai raté. Il se sauve, mais il se repose à se mettre. Je vais le voir dans l'eau. Il est lourd, hein. Oh, sa race. Ah. Il est beau. Et t'es tout seul? Ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, je vois que des. Bon, ils sont corrects. Ils sont à la baille. Mais. Quand t'as déjà pris des comme ça. Ah, putain, là, j'ai jamais fait d'aussi gros, moi. J'avais fait des tu très beaux. Mais. Putain, il est long. J'ai déjà pris des gros, mais celui-là, ouais, il est. Il est énorme. Ouais. Récupérer ma flèche. Attends, j'arrive. J'ai tiré un sort. J'ai tiré un sort, tiens, toi aussi. Je vais rentrer dans la pierre. Profond là. Je suis crabé, c'est profond.
C'est vu, j'ai vu se mettre à trous. Il y avait les gros corbes, ils étaient avec. T'aurais eu le droit de faire un doublé sans faire attention. Hein. Ah, il est beau. Ah ouais, il est beau. C'est pas un cerf mordu. Non, c'est un cerf maillé. Fais un tout droit. Fais un tout droit comme ça. Fais attention au bateau. Tout droit à l'autre pointe, t'as pas là. Ça nous donne un avant-goût de cet été. Qu'on reprenne les bons réflexes. C'est ça. Vraiment, tu peux aller sur les spots que tu veux, t'as personne. Mmh. L'été, il y a des spots qui sont. Pour moi interdits. Hein. Je veux pas les palmes. Après l'été, tu vas. T'as pas le choix de te foutre à l'eau, à l'eau, à l'eau. Hein. La seule façon de voir un peu de poisson et puis d'avoir un peu la mer pour toi. J'ai décroché cet enculé. Et pour toi. Tu peux faire des trucs comme ça à la fin de la session. C'est fou, j'ai du mal à tirer les rougets avec ce fusil. Mais pour toi. Et pour toi, je vais te les tirer. Oh. Tiens, allez. C'est toi qui l'as vu. Oh, l'autre qui l'a vu. Oh. T'as que l'a tiré. T'as bien tiré par-dessus. Hein? Déjà, c'est compliqué de les tirer de face. Toi, t'arrives à les tirer par-dessus. J'aime bien, ouais.
Magnifique photo là. Alors celui-là, 300 grammes. Voilà, record de... Combien il faisait le sar? Le sar à Lulu? 700. Combien il faisait ton sar, Lulu? 700. 700 grammes. Le sar à Lulu. Le rouget record, 300 grammes. Vidé. Vidé. Vidé 300. On peut dire 350, c'est l'aise. Hein. Et le muge, 1 kg. C'est quoi ça? Lorenzo. C'est moi qui suis trop mort. On a une merguez et une chorizo. Merguez. Hein. Voilà. Il y a une merguez et une chorizo. Voilà. Après, tu vois quoi? Allez, après l'effort, le réconfort. Et en plus, prenez-vous d'abord la priorité à ce...